Fali Ipupa. Quelle est sa chanson que tu aimes? Bongonanga, bongonanga, lusumunanga pona lingio. Bongonanga, 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 bongonanga. Wana kate la terre. On parle de là. T'es naïf, j'aime mon papa. Ah, non, non. Pardon, ok, c'est bon. Est-ce que déjà, s'il vous plaît, est-ce que déjà il y a un plateau où il y a un bisé? Si, si, il y a une question, si, il y a une question. Mais on va pas rester là. Hey yo, salutations à ton famille, j'espère que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille, je suis très content de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Meilleurs vœux à toi surtout, hein. Et bonne fête, hein. Bonne fête de Noël, hein. Donc bientôt, ce sera la fête de Noël. Et donc très très bientôt, tout de suite après, hein, le nouvel an, c'est important de le souligner, hein. Meilleurs vœux à vous, hein, que cette période soit à tout point de vue excellente pour vous, famille. Nous allons atterrir, hein, et apesantir sur cette vidéo concernant le mini froid, hein, qu'a créé la réponse de Fali autrefois, de par l'air collab entre guillemets avec Ritier Watanabe, ce qui n'a pas laissé Ritier Watanabe indifférent, hein, lors de ses innombrables, hein, sorties médiatiques. Il en a parlé, bien évidemment. On sent il y a un mécontentement de la part d'Ritier Watanabe du fait que Fali a ignoré, hein, le dire, hein, de ces deux-là dans l'avion, dans le air. Personne n'était là. Mais on laissait planer un certain doute dans le sens où il y aurait eu, hein, une éventuelle collab entre les deux, ce qui n'a pas arrangé Ritier Watanabe, hein, du fait d'écouter Fali dire qu'il n'est pas tenu informé, qu'il n'était pas au courant de cette collab, de ces featuring, on va dire, hein, probables, bien évidemment. Et ben, c'est là à pencher la balance, hein, du côté Ritier Watanabe, puisque sa dernière sortie médiatique, Mission de Papi Mboma, vous réaliserez et remarquerez avec moi que ces derniers a été sur la défensive, hein, tout au long de l'émission concernant, hein, que ce soit le fait de citer le nom de Fali, le fait de chanter l'une de ses chansons, et d'ailleurs une petite attaque comme quoi que Fali est en agitation, il est assez agité de par le sorti incessante, hein, que ce soit de single, que ce soit l'annonce même de deux albums qui viennent au mois de janvier, soit au mois de février, voyez-vous, et y compris la réédition. Donc tout ça là a fait pencher la balance, hein, du côté un peu titillement de Ritier Watanabe. Nous l'avons tout de suite remarqué. D'ailleurs, je vais vous balancer rapidement, hein, cette vidéo pour que vous puissiez regarder, et puis on revient tout de suite après. Aura-t-il mis ange, mis démon? Mais c'est un problème. Problème en Ozani. Pour la simbi musica. Il y a un simba pembeni babendanga. Mais son simbi pembeni, c'est pas mon azarakawat. Il faut simba musica pour mon noté. On mette pas mon angate. Une année, la bimisa album la tigana. Il y a une agitation de bimisa biloko. Obi batuto, batu bimisa bimisa bimisa. Au moins des bimisa biloko. Sur l'année au talak, à ta bad biloko. Oui, pour un anime. Pourquoi? Oui, yebit. Sur bimisa album. Après, on m'a mis à l'eau, pam pam, agitation. Et d'un point. Et d'un point. Oui, mais tu réponds à renforcer l'album. Oh. Vous avez déjà l'album. On m'a mis à l'eau, on m'a mis à l'eau, on m'a mis à l'eau. Il fallait que l'on fasse un album. C'est que mon équipe, n'est-ce pas que je suis là. Et là, on m'a mis à l'eau, on m'a mis à l'eau, on m'a mis à l'eau. Et on m'a mis à l'eau. Mais pour l'on m'a mis à gombe, na gombe. Pour l'on m'a mis à raquer. Rachel Fouta. Donc voilà, en ce qui est de date également, la seule personne, hein, le seul artiste, la seule star congolaise, hein, le plus en vue, hein, on ne peut pas se voiler la face, hein, c'est Fali Ipupa. Il y a l'un de mes abonnés qui m'a même posé la question, mais on ne comprend pas comment est-ce Fali Ipupa, elle est seule à être invitée de part et d'autre. Je vais vous dire, la chose, elle est simple. La réussite de son album, le fait pour lui de vendre mieux son image, le fait pour lui de vendre mieux sa musique, et le fait pour lui de détenir depuis plus de 10 ans, voyez-vous, une constante, on va dire, que ce soit du côté succès, du côté production scénique, du côté album, du côté performance, il est au top de sa forme carrément. Raison pour laquelle il est sollicité. Et le spectacle qu'il offre à son public, à ses mélomanes, ne laisse personne indifférent. Raison pour laquelle
Tout, alors tous ces fanatiques éparpillés à travers l'Afrique veulent impérativement tirer un tout petit peu hein, le drap de leur côté, avoir un bout de Fally Ipupa. Et surtout pendant cette période de festivité, c'est toujours important. Il a un calendrier assez chargé. Il y a d'autres artistes comme Héritier Watanabe l'a dit également. Qui sont déjà prêtes, livrer des concerts, tire l'année prochaine. Ah. Et qui te dit que Que ce toi, qui tu ne l'as et pas. qui te dit que qui te dit que je l'ai pas? Tu ne l'as pas parce qu'on n'en a pas, on voit rien. Vous êtes La là. date qu'on a, c'est le 26. Vous êtes là, papa. Oui. Webi, Banda Anoué Bandi. Talanga bien. Banda Anoué Bandi, je suis parmi les trois ou quatre artistes qui prestent beaucoup, qui voyagent, qui jouent partout. Déjà, mon nom est moi, mon robot, et la bête musique, tu es ou peut-être yo za posa nga pe na cha bilan nga kaka na bandule nyonso na beti na o na Mais robeti ça fait partie yo justement kanga la presse non now. je veux pas faire ça parce que ceux qui to sali bongo et ça idéologie à mutu moko boye a sali ceux qui yo sali amoni a landier après ko koma so pe problème et pas batou ke amoni a do landa e Mais est-ce que la envie musique, a on so doit rester envie dans ça? Quand tu t'habilles bien, cela ne veut pas dire que les autres ne s'habillent pas bien. yo kanga Oh que lui ne veut pas non plus hein, publier ses dates et tout, de peur qu'il fait réparer, que fallait pour pas. Bon, il l'a sous-entendu, mais on a compris hein, à qui cette pique hein, était destinée. Et bien, savoir, quand on a des dates, quand on a des calendriers, quand on a quelque chose de prévu, pourquoi le cacher? On doit rendre la chose explicite pour que tout le monde soit tenu informé, voyez-vous. Et depuis la nuit des temps, ça s'est fait toujours ainsi. Fally Ipupa était le premier, bien évidemment, à afficher un calendrier hein, concernant sa tournée qui tend de cette année jusqu'à l'année prochaine. Ça, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, il y a certaines dates qui viennent s'ajouter de par des dates déjà prévues. Et il y a certaines qui ont été annulées pour abonder, on va dire, hein, dans d'autres pays, pour abonder dans d'autres lieux et tout de production. Ce qui est important à retenir, c'est cela. Héritier Watanabe, au-delà d'être un artiste, comme il a dit, hein, il sait vendre sa musique, mais un artiste actuellement ne peut pas simplement se limiter à sa musique. Tu dois vendre ton image. L'image qu'il a, elle est bonne, mais elle doit encore être beaucoup plus fignolée hein, pour ramener certaines personnes qui hésitent encore. Du côté musique, on ne peut pas redire, on va dire. Hein. Héritier Watanabe a une carrière de plus tumultueuse. Actuellement, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Et de par son dernier album, Mélange mes démons, c'est une réussite hein, normale. Moi, je ne suis pas dans polémique et tout. C'est une réussite. J'ai quand même eu le temps hein, d'auditionner, d'écouter son album depuis près d'une année. C'est un carton normal. Mais dire qu'il y a certaines personnes, certains artistes en parlant de Fally, qui sont un tout petit agités et tout, non, non, non. Un artiste profite de sa vague, profite de son succès. Et en parlant du succès, en parlant du trône, en parlant du contrôle, mais Fally Ipupa, ça doit faire 10 ans. Et ce n'est pas le moindre, on va dire, à sortir de hits, des tubes, de succès en chanson, de succès en single, de succès en prestation, comme vous n'avez pas idée. Donc voilà, c'est la seule chose que je voulais abondir hein, dans ces sens-là pour éclairer un tout petit peu la lanterne hein, de tout cela qui attendait ma réaction de par toute cette affaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est Vimawet et portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao! Yeah, 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 yeah.